Le prince Andrew a été aperçu avec Sarah Ferguson après avoir été déchu de ses titres royaux et patronages. Le duc de York a rendu ses parrainages royaux et ses titres militaires cérémoniels à la reine plus tôt cette semaine alors qu'il se prépare à une bataille juridique contre l'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre. Madame Giuffre a accusé Andrew d'abus sexuel, affirmation qu'il nie avec véhémence. Dans de nouvelles images du samedi 15 janvier, Andrew et Sarah ont été vus en train de sortir du Royal Lodge, sa résidence située dans le parc de Windsor Great Park dans le Berkshire. Poursuivis par un service de sécurité, le duc et son ex-femme sortent des portes du Royal Lodge. Cela survient juste après que la reine Elizabeth II, 95 ans, a décidé de dépouiller son fils de ses titres alors que l'affaire judiciaire intentée par Madame Giuffre au sujet d'allégations d'agression sexuelle se poursuit à New York, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc de York ont été rendus à la reine. Le duc de York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Une source royale a déclaré. Tous les rôles du duc ont été rendus à la reine avec effet immédiat pour être redistribués à d'autres membres de la famille royale, ne reviendront pas au duc de York. Le duc de York n'utilisera plus le style Son Altesse Royale à titre officiel, l'expert royal Duncan Larcombe a dit OK. Que la reine sera frustrée par la façon dont la situation a été gérée, en particulier l'année de son jubilé de diamant. Monsieur Larcombe a déclaré. En tant que maire, cesse l'étoffe des cauchemars. La reine, l'année de son jubilé, est frappée par ce double coup dur de problèmes pour l'entreprise et de problèmes pour la famille. Elle a passé tant d'années à bâtir sa réputation, et puis tout à coup, ça sort. Le truc des Epstein est sous la surface depuis une décennie, mais il a maintenant explosé. C'est un désastre après l'autre.